Regarde de proche. Oh my god! C'est dégueulasse! Il bouge! Ouais. Il bouge, il se fait! C'est comme des petits monstres. C'est dégueulasse. On vient de s'apercevoir de quelque chose de quand même vraiment, vraiment plate. C'est notre ami Patrice sur Atypique, il est venu nous voir avec le dinghy, puis il est venu nous dire en fait qu'il y a un catamaran là-bas, ils savent pas naviguer, puis ils savent pas conduire un catamaran, puis ils se sont ramassés dans le quai. C'est vraiment de la merde. Fait que... Patrice est arrivé avec le dinghy, il a dit « Toi, Éloi, tu sais comment conduire un catamaran, tu peux-tu aller les aider? » Fait que là, Éloi, il est parti là-bas, puis il va pouvoir le déplacer puis le remettre au mouillage, mais... Éloi a sauvé la situation! Yeah! Un super héros avec son kit vert. Ça s'est bien passé? Ouais. Oui! Merveille! Puis il a mouvé ça, Annabelle, pas de steering. À base grip, mais même pas utilisé la base grip puisqu'il est allé au moteur. Ouais, il y avait plus de roues. Plus de roues. Ah, pour vrai! Mais tu sais, les catamarans, c'est juste deux. Ben, tu sais, il y a deux moteurs. Ouais. Tu sais, ça. Tout le monde qui connaissent. Tu sais, tout le monde qui ont des catamarans, là, ils savent que ça se chauffe bien. Mais quand même, quand c'est pas le tien puis que tu connais pas, ouais. Ça prend quand même. Non, c'est clair. Ah oui, mais toi, t'es habitué à ça. Ben oui, ouais. C'est fantastique. Patrice, c'est lui qui est allé en rescue. En rescue. First aid. Comme un labrador qui monte dans le grand lac le Paris. Ouais. Non, mais une chance, c'est d'aller les voir. Non, c'est vraiment. Non, mais c'est sûr. Ouais, il était content, le gars, là. Ben oui, il était content. Il connaissait pas ça. Pour vous autres. Il est seul. Il est seul. Il connaît pas rien. Il a acheté ça, il connaît rien. C'est ouais, il prend une bière avec toi. Ben oui, super smart. Crime. Mais oui. Tu vas quand il va y aller. Oui, parfait. Je vais aller voir si moi je mets dans le clé. Ouais. Bon, ben, hey, contente que tout le monde aille bien. Ben, mais hein. En train de laver le dinghy? C'est fou comme ça lave bien de l'eau douce. Et là, après la tempête, le dinghy est plein d'eau, puis c'est le moment parfait pour prendre un bain. Peut-être pas l'eau la plus propre, parce qu'il y a quand même de la terre dans le fond du dinghy, mais je trouve que c'est déjà un petit peu plus propre que l'eau brune qui est ici. Ces jours-ci, nos journées sont remplies d'ordinateurs, de remplissage de paperasse, téléphone, recherche. C'est de la job quand même changer de bateau. Déjeuner après déjeuner, la routine reprend. Éloi se fait aller les doigts sur le clavier, brainstorm, organisation. Bref, on s'initie à des choses qu'on n'a jamais fait, puis qui demandent quand même beaucoup de réflexion. On s'en va faire le plus gros achat de notre vie. Puis honnêtement, ça nous rend un petit peu nerveux. Sinon, bonne nouvelle, on a reçu nos immatriculations officielles. Ça veut dire qu'une fois notre numéro de permis d'embarcation de plaisance retiré, notre port d'attache à l'arrière du bateau ajouté et une plaque d'immatriculation fait maison installée, on est enfin libre de naviguer. Ce qui tombe bien parce qu'on a un plan en tête. En fait, on souhaite trouver un bon endroit de transition. Un endroit où on peut sortir le Galouébé de l'eau et le préparer pour son prochain propriétaire. Thank you.
Fait qu'aujourd'hui, notre plan, c'est de naviguer jusqu'à West Palm Beach, qui est à genre 50 000 nautiques d'ici. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les nets de Fort Lauderdale, puis on va essayer de le faire en mer. Il y a pas de vent, il annonce pas de vent, pas en tout, en fait. Fait qu'on va le faire à moteur. Mais en fait, en faisant ça, ce qui est cool, c'est qu'on s'évite d'attendre pour les ouvertures des ponts puis tout ça, parce que entre Fort Lauderdale puis West Palm Beach, il y a 40 ponts à faire ouvrir. Ça te ralentit énormément. Fait que nous, on a quand même envie de, tant qu'à faire, le faire en une shot, puis ça va être le fun en mer. Je pense que ça va être le fun. Regarde de proche. Oh my God! C'est dégueulasse! En fait, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il y en ait autant. Sacrifice. Ça fait comme 2 semaines et demie qu'on est ici. Ça a fait ça dans 2 semaines et demie. C'est dégueulasse. Ben, c'est pas dégueulasse, mais... Tu vois, c'est tout des barnacles. C'est capoté. Je peux voir, il y en a plein en dessous du bateau. J'ai hâte de voir si ça va être... si ça va vraiment nous ralentir. J'espère que non. Il bouge! Ouais. Il bouge, je suis. C'est comme des petits monstres. Fait que, comme de fait, ce qui arrive, c'est que ce que vous avez vu sur le dinghy, ben on a ça aussi en dessous de la coque, puis ça nous ralentit énormément. Genre, on allait à 2, je pense qu'on allait à 2,5 nœuds au maximum RPM. Puis, fait que là, Éloi, ce qu'il a fait, c'est qu'on était en train de dire salut à Typique, puis là, Éloi, il a juste dit hey, peux-tu me mettre à votre épaule, puis je vais juste gratter ma coque vite vite avant qu'on parte. Fait que c'est ça. Mais en ce moment, t'es à l'épaule d'Atypique, puis c'est ça. Fait que, en fait, ce qui est cool, c'est que Patrice va nous aider. Éloi s'en va dans l'eau maintenant, puis on va essayer de gratter ça. Mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Tabarnouche! Jamais vu ça. C'était tapissé comme le dinghy, hein? Ah oui. En grandeur. Oui, oui. Ils t'ont-tu mordu? Non. Merci Patrice de nous avoir aidés. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Grâce à toi, ça a pris 2 fois moins de temps. Ils ont fait chacun leur côté de coque. Exact. On n'est pas partis ce jour-là, finalement. On est restés à l'épaule avec Atypique, qui nous ont offert la tournée de Pina Colada pour célébrer notre départ, reporté au lendemain. Puis vu que la vie est bien faite, on a même eu l'opportunité de rencontrer Papa Delos, qui est en fait le papa de Brady et Brian, qui sont des pionniers YouTubeurs de voile autour du monde. Vous connaissez Sailing SB Delos? La coque remplie de dessins d'Atypique avait attiré son attention sur les réseaux sociaux, puis il a volontairement pris de son temps pour venir les visiter. Puis nous, on a pu en profiter, grâce à notre imprévu de Bernard. C'est drôle un peu. Mais bon, c'est déjà l'heure des au revoir. C'est fou les choses qu'on peut vivre avec des inconnus, qui du jour au lendemain deviennent ton voisinage, et plus tard, des copains avec qui tu navigues pendant des mois. On s'attache. Mais la réalité des marins qui voyagent, c'est que leur amitié précipitée devienne rapidement éphémère. Chaque voilier trace son chemin, mais tous ont en commun l'océan. Et aussi vaste que la planète puisse sembler, on dirait que les chemins empruntés se ressemblent. Puis ceux qui s'abandonnent à l'aventure se recroisent à un moment ou à un autre. Fait qu'au lieu de dire adieu, on dit tout simplement à plus tard. Thank you.
ça fait quand même drôle de se dire qu'aujourd'hui, c'est la... mettons, la dernière navigation en mer qu'on fait avec le Galloway Bay. C'est comme un début de revoir, j'aurais tendance à dire. Tu sais, ce bateau-là, quand on l'a pris pour la première fois, je pense qu'il n'était jamais allé en mer. Puis, quand on a fait nos premiers sauts en mer avec ce bateau-là, on n'avait aucune expérience, on n'a aucune idée comment ça fonctionnait l'océan. Puis, t'sais, on s'est planté un peu. Mais tout s'est bien passé, mais tu sais. Aujourd'hui, ben, c'est la dernière fois qu'il va aller en mer avec nous. C'est quand même drôle de se dire ça. On fait vraiment une belle navigation. En ce moment, on longe la côte de la Floride. C'est quand même cool parce qu'on voit tous les buildings de loin. Tu sais, on n'a pas l'habitude tant que ça de naviguer dans le coin puis d'avoir une belle vue comme ça. C'est cool. C'est vraiment le fun. Mais bon, c'est pas encore fini. Il reste quelques canals à faire. Il reste à sortir le bateau de l'eau, faire des travaux dessus, les mettre tout beau. Il nous reste encore plein de petites aventures à vivre avec. C'est juste que là, ça va être vraiment la dernière fois en mer. C'est la vie. On a quand même fait un drôle de trajet pour se rendre jusqu'ici. Quand on est parti du Québec, le Galloway Bay nous a d'abord été prêté par le père des lois. On n'avait pas de sous pour s'acheter un voilier à ce moment-là. On sortait fraîchement de l'école. On s'est rendu dans le sud avec le voilier, puis c'est 2 ans plus tard qu'on a réussi à acheter le Galloway Bay. En gros, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, puis on n'a jamais vraiment eu à choisir parmi un large éventail de bateaux. Et pour être honnête, ça donne un petit peu le trac. Mais on va trouver. J'espère. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ce moment-là avec nous, vous pouvez cliquer sur « J'aime » ou vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple et rapide de nous encourager. On tient aussi à remercier nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une énorme différence dans cette aventure. Et finalement, bienvenue à Sabrina, Piotr P., Éric Dixon, Céline Atypique, Pierre-Luc Tremblay, Floriane Stage, Thierry, Théoré, Ruarou, Louis Gendron, Denise Marmet, Loïc et Aîné, Jacques Gendron, Chloé et Loïc et Jean-Clément Sanson, qui sont nos nouveaux Patreons. À bientôt tout le monde!